Yo tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2021 Lille-Nîmes. Sur ce, bon visionnage. Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure. À l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Et on rentre dans le vif du sujet. Gomez. Il passe sur l'aile droite. Nîmes qui doit renouer avec la victoire à l'extérieur. Ça commence à faire long. 5 matchs sans le moindre succès. Fomba. Burner. Et ils essaient de repartir de derrière. Alexandro. Gomez. Oh, le bon ballon. Papé. Et c'est au fond, but. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination. C'est ça, les grands joueurs. Le gardien a sans doute été masqué par sa défense et il n'avait plus le temps de réagir. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. La longue passe, il peut en profiter. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Alexandro.
Ounas. Il essaye de faire la différence côté gauche. À toute vitesse vers la surface. Là, il peut centrer. Oh, l'inspiration! Nîmes est tout simplement la pire défense du championnat. C'est triste à dire. Il relance côté droit. Il joue en retrait. Cabella. Lille qui cherche l'ouverture. Ça peut être dangereux! Et ça rentre! Ils enfoncent le clou en marquant rapidement à l'autre but. Tout est magnifique dans ce but. C'est reparti sur ce score de 2-0. Oui, il domine franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Il était bien présent. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Ounas qui centre. C'est repoussé. C'est parfait, magnifique. La passe est précise. Il tire. Ce sera un coup franc. Le gardien dégage, loin. Burner qui a un peu d'espace. Ça joue long. Il est bien placé. Oh, l'intervention. Zonzi. Ça n'a pas pu aller plus loin. Il décide d'allonger le jeu. Ça, c'est une interception parfaite. Ah, il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant. C'est bien donné. Oh, le contre, l'arme fatale. Mbappé. Attention, occasion! C'est dégagé. C'est joué long. Mbappé ! Super barré effectué par Cardinal. Un grand dégagement le plus loin possible. Cabella. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Un très long ballon. Oh, s'il réussit son contrôle. Zonzi. Pour Ounas. Le bon dribble. C'est bien intercepté. Allez, c'est dangereux. Et il rate le cadre.
Oh, mais c'est précipité tout ça. Il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. Il cède sous la pression. C'est joué long. Cardinal qui rend. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Je trouve que le score reflète finalement bien la physionomie du match. Et si les joueurs parviennent à mettre la même énergie en seconde période, on a du mal à voir comment la victoire pourrait leur échapper. Et ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Il a un peu de liberté. Long ballon dans le sens du jeu. Corner, dit l'arbitre. Voilà une nouvelle chance sur corner. Nîmes. Oh, la tête! Elle était belle, cette tête! Mais ça ne suffit pas! La passe dans la profondeur. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Ça ne passera pas. Ça joue long vers l'avant. Ounas ! Cabella ! Nîmes qui espère sans doute être un peu plus solide défensivement qu'au dernier match où les deux buts encaissés l'avaient privé des trois points. Attention là, il rejoue derrière lui, il tire. Superbe arrêt effectué par Cardinal. Et le gardien est présent. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Nîmes qui cherche à déclencher du mouvement. Zonzi qui se montre intraitable dans ce match. C'est bien fait ça. Voici Ounas. Oh, il y a danger. C'est dégagé. Oh, ça peut aller au bout. Il est à distance de tir. Il y a danger. Le soutien derrière lui. Oh, la frappe! Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Bien, un peu de répit. C'est joué long, c'est dangereux. Allez jusqu'au bout. Allez, voilà le but. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. Et on ne peut pas blâmer les gardiens sur ce coup-là. Un poteau rentrant, c'est imparable. Et l'entraîneur a eu raison de le faire rentrer, ça paye vite. Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu. C'est fabuleux.
Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Une très longue passe. Il ne lâche rien, même loin de leur but. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Bien servi. Ça peut faire mal. Il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur. C'est logique, vu ce qu'il leur a déjà fait. Chat échaudé craint l'eau froide, comme vous dites. Quel timing dans l'interception. Alexandro. C'était une longue séance de conservation, mais bien stérile au final. Il allonge le jeu. On joue sur l'aile, il est servi. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Bonne interception, il y avait danger. Il frappe loin devant. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Il récupère le ballon. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Il a trébuché sur cette intervention. Il allonge vers l'avant. Burner qui cherche la profondeur. Il joue sur sa gauche. Il y a danger. Ouf, un peu d'air. Bon service dans la profondeur. Cabella. Oh, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Oh, attends, Ounas ! Superbe arrêt effectué par Cardinal. Changement, ou plutôt double changement, car les deux équipes font entrer du sang frais. Il dégage. Nzonzi. Ça sent la frappe. Coup de sifflet, hors jeu. Le gardien loin devant. Cabella. Encore 2 minutes dans les arrêts de jeu. Mbappé. Fomba. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Quel jaillissement! Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Que dire à l'issue d'une telle victoire? Simplement que les meilleurs ont gagné, que cette victoire est largement méritée. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Ce but en début de match leur a fait beaucoup de bien. Ils ont pu jouer plus libérés après ça. Et ça se reflète forcément dans le score final. C'est déjà fini? Oh, c'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses d'arène comme d'habitude. À bientôt, bonsoir. Merci Grégoire, on remet ça quand vous voulez.
Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.